Monsieur Henri, les frites sont prêtes. Enfin. Ah oui, et l'arme suprême est prête aussi. Il était temps. Bon, assez rigolé, au travail. Apprenti, observe bien ma démarche, parce que ça va pas être facile à suivre pour toi. Si j'inverse la propulsion numéro 4864, que je fixe l'essieu arrière droit pour permettre la dérivation du courant vers un circuit adjacent et que je reprogramme son lancement, j'obtiendrai enfin la puissance nécessaire de 2,21 gigawatts! Enfin, tout ça si on meurt pas avant dans une explosion malencontreuse. Bien le bonjour là-haut, je m'appelle Gentil Scientifique et je dirige cette base. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oula, ça déconne zéro dehors! Monsieur Henri et méchants scientifiques n'abandonneront pas cette fois! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a qu'un seul moyen, on doit appeler celui qui nous sauvera tous, le seul être encore vivant la maîtrisant. Mais maîtrisant quoi? La bougneuse. Trouve-le et ramène-le ici pour combattre, Monsieur Henri. Bonne chance à toi, jeune apprenti. Et que la force se... Tant pis. Carlos! Carlos! Oh, mais arrêtez de taper comme un demeuré, enfin, je suis dans le jardin! Bonjour, maître Carlos. Bon, qu'est-ce que tu viens faire par ici? J'espère que t'as une bonne raison pour me déranger, pauvre Plouc. Oui, excusez-moi, c'est à cause des fripouilles. Ils nous ont attaqués et... en quoi ça me concerne? Ils ont réussi à créer une arme. Grâce à celle-ci, ils pourraient anéantir la planète, voire l'univers tout entier. Vous seul maîtrisez la bougneuse. Vous seul pouvez les vaincre. Les laisser faire, c'est remettre entre leurs mains notre liberté et l'avenir de toute l'humanité. Je m'entends pas de l'oreille avec une babouche. Très bien. Mais sans nous. Qui vous livrera ce délicieux jus de papaye que vous aimez tant? Eh hey merde. Bon bah prépare le vaisseau, j'arrive. Ah oui, ça va pas être de la tarte. Allons-y. Mais qu'est-ce qu'on attend? Attends... À l'aide! Attends... Ah, il nous a vu, on est foutus, planquons-nous! Maintenant! Ici. On peut pas conquérir le monde tranquillement. Ah. Vengeance. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et zut.